Konnichiwa, Ganda, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Banshee, que vont-ils ce jeudi. Donc tout ce que vous allez voir au niveau des armes sera valable du 7 juillet jusqu'au 12 juillet à 19h, sauf si bien sûr Banshee fait une maintenance préventive le 12 juillet. Et autrement, les modes seront valables uniquement 24h, c'est-à-dire donc du 7 juillet jusqu'au 8 juillet à 19h. Et sans plus attendre, on va se rendre à la tour. Et le temps d'arriver sur place, on voit ce qu'ils nous vendent de beau ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la tour. On va bien sûr aller voir Banshee qui se trouve un petit peu plus sur notre droite. Comme je dis toujours, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc au niveau des armes, on a les mêmes armes, mais pas forcément les mêmes paires. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on l'a avec des perks plutôt pas mal hein, cette semaine, donc avec efficacité mortelle et accro à l'adrénaline, hein, n'oubliez pas, ça vous permet d'avoir un bonus de dégâts lorsque vous faites des frags avec votre grenade, donc c'est plutôt pas mal. On l'a également avec chargeur tactique qui est vraiment très bien au niveau des impulsions, donc stabilité, rechargement, vous avez vraiment le bonus à ce niveau-ci. On aurait soit compensateur à compartiment ou soit éventuellement on prendrait rainurage et l'écho idéal, vous voyez, ça vous diminue un petit peu votre stabilité, pardon, mais par contre vous augmentez pas mal en portée et en maniement. Et on a une pièce maîtresse de rechargement. C'est pas le goudron hein, pour cette impulsion, mais la combinaison est assez intéressante. Au niveau du pistolet mitrailleur Enoid D, donc là encore on a un pistolet mitrailleur qui pourrait être beaucoup mieux pour du PvE par rapport à ce qui est proposé. De toute façon j'ai toujours énormément de mal avec Arsenal compatissant. Au niveau de l'impulsion, donc Logma FI6, là par contre on a une bonne impulsion également par rapport à ce qu'on a déjà vu. D'ailleurs c'est quasiment le même rôle que celui qui avait été proposé la semaine dernière, pas le jeudi mais le mardi. Donc avec munitions adaptatives et puis un prêté pour un rendu, ça vraiment très bon combo qui va bien ensemble et d'ailleurs qui peut être tout à fait utilisé donc dans les nuits noires grand maître hein, qui sont d'actualité à l'heure actuelle. La perque qui a changé par rapport à la dernière fois, c'était au niveau des canons puisque là on avait exactement la même chose à part que ici on avait rechargement rapide à la place de munitions stables. Les canons qu'on avait, c'était canon à cadenure ici et puis frein à tête de flèche. Enfin, un frein à tête de flèche donnait peut-être un meilleur contrôle au niveau du recul, mais bon, ça peut se contrôler quand même de toute façon. Par contre, là, on a un combo qui est plutôt très intéressant et je vous le conseille particulièrement comme l'impulsion qu'on avait eu mardi dernier. Au niveau du sniper, donc le sniper de la saison, le Galu RR3, là par contre je vous le conseille pas particulièrement, alors pour un sniper, un prêté pour un rendu ça peut s'utiliser hein, bien sûr il n'y a pas de problème, mais vous allez l'utiliser beaucoup moins facilement qu'avec un impulsion par exemple puisque vous allez avoir beaucoup plus de balles dans ce cas là. Au niveau du lance-roquette, le Palmyra B, je vous le conseille pas, là dans ce qui est proposé on peut avoir bien mieux. Alors ça commençait très bien avec impression durable, hein, très bonne perque pour ce lance-roquette, mais pour le reste ici c'est pas terrible, je pense que c'est pas la peine de s'attarder plus, on peut avoir beaucoup mieux. Au niveau des épées, je vais pas vous les présenter, hein, que ce soit pour l'épée de l'arcaniste, du titan ou du chasseur, hein, parce que les perks qui sont proposés dessus sont vraiment pas terribles du tout. Donc n'oubliez pas, je vous conseille particulièrement cette impulsion là pour les nuits noires grand maître ou les activités de très haut niveau, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez avoir également cette action en justice 2 qui est pas trop mal, c'est pas un god roll, moins un god roll que cette impulsion là, mais il est tout à fait intéressant. Et au niveau des modes, donc chez Banshee, on a donc la crosse de contrepoids hein, qui peut être très utile des fois pour contrôler le recul en fait. Au niveau des impulsions par exemple, vous avez le radar, le réglage de radar pardon, qui vous permet d'avoir un radar immédiat lorsque vous cessez de viser ou lorsque vous sautez il me semble. Vous avez le chargeur de secours très intéressant qui vous permet d'augmenter la taille de votre chargeur. Et enfin nous avons ce poignet de sprint hein, qui est plutôt intéressant également mais peut-être certainement moins que le chargeur de secours.
Et comme à chaque fois, on va bien sûr aller voir chez Adawan pour voir si elle nous présente des modes intéressants aujourd'hui. Comme d'habitude, je lancerai aussi volontairement le chemin en entier pour les personnes qui débuteraient sur Destiny et qui ne sauraient pas exactement où se trouve Adawan dans ce cas-là. Ce qui serait peut-être un peu gênant si jamais elle a des modes très intéressants à vendre. Donc à partir de là, de toute façon, quand vous êtes arrivé ici, vous pouvez guère vous tromper. Vous descendez l'escalier. Donc on va continuer et au bout de cet escalier, on va prendre tout de suite sur la droite. Et on va voir Adawan qui va se retrouver juste en face de nous. Voilà qui fait. Ravi de vous revoir. Donc au niveau des modes, on a donc le détecteur de munitions de fusil à fusion. C'est très intéressant et très important. On a également le détecteur de munitions de lance-roquettes, je vous conseille également. On a des éons, donc ça peut être plutôt pas mal lorsque vous récupérez des puits, je vous le conseille également. Et enfin, nous avons étui de lance-grenade, je vous le conseillerais un petit peu moins. Alors, ça peut faire éventuellement l'effet d'un holster de rechargement rapide, mais je trouve quand même moins efficace. Mais là, après, ça vous doit. De toute façon, si vous n'avez pas les modes, prenez-les quand même dans le doute. Voilà, ça va être tout pour cette petite revue de Bungie. Que vend-il ce jeudi? Donc vous avez vu, il y a quelques pièces intéressantes, dont l'impulsion Ogma FI6. Je pense que je vous conseille et je vous reconseille vivement de le prendre. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, gardiens et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de Spectre.